Englebert, il le Pour sa 11e rencontre de la saison en Ligue nationale de football, Mazembe, tenant du titre, n'a pas fait trop de détails ce mercredi après-midi en son stade de Kamalondo face à Virunga. L'équipe de Goma, qui a manqué d'agressivité sur le plan offensif, ne s'est contentée que de quelques actions de son avant-centre Kitoti. Virunga sera sévèrement battu sur la note des 6-0. Le Corbeau vont plier les matchs de la première mi-temps qu'il mène par 4-0. Le festival but est ouvert par Gladson Awako d'une lourde frappe qui trompe le gardien Mumbere. Et le but! Le premier but de Gladson Awako à la 5e minute. Alou Bagayoko, auteur d'un grand match, va signer un doublé. D'abord d'une frappe de plus de 35 mètres. Puis il sera mis sur orbite par Cheban Traoré, son compatriote. Cheban Traoré dans le soin de réparation, il fait un son. L'attaquant malien a aussi inscrit deux buts, dont celui-ci à la réception d'une frappe des Ilongo, renvoyée par la défense des Virunga. Avec cette victoire, Mazembe exerce davantage une pression sur Vecklub. Les Corbeaux comptent désormais 29 points et un goal average de plus 30. Mazembe a deux matchs à livrer. Le Moscovite, qui a encore un match, compte 31 points au classement partiel. Le doublé de Traoré-Cheban, ça fait 6.